ça va? Salut les jeunes et les moins jeunes, aujourd'hui on joue à Resident Evil 5. Benjamin qui faisait ça, 5. Ouais. 5, épisode 2 sur le DLC perdu dans les cauchemars. Je suis toujours avec Bozas et Bibi, là c'est Bozas qui a la manette et qui va nous éblouir de ses talents. De. Attends, parce Voilà. que c'est posé. Alors. Ça, c'est plutôt. Et pour. Et c'est quoi pour taper? Le B? Ah. Non, Non, le B c'est c'est pour dans le blanc. m'appeler. Come on! Alors, tu vises, tu tires là, et pour sortir le couteau, tu veux dire, c'est Pour ce taper le bouton-là. couteau. Ah, le couteau, Pour oui, d'accord. taper, et tu là, tu touches deux tirs. D'accord, ça c'est quoi? Il n'y a rien. Les avantages, c'est les touches. Ah, ça affiche la petite map, ce bouton-là. Ah, ça c'est l'inventaire, d'accord. Ça, c'est l'inventaire. Et pour recharger, tu fais quoi? Tu Tu vises? vises et t'appuies sur A. Voilà. Bon, j'aime pas la merde. Pour rentrer là? Oui. Je suis pas dedans. Non, vas-y. Non. Ah. Voilà, parce que de toute Ah ben façon, ça voilà, change rien. putain! Quoi qu'il arrive, tu me sors, semble-t-il. Ah oui. Alors là, tu dois avoir une petite fenêtre. Moi, il faut que je vite que je fasse le tour. Tu dois avoir une petite fenêtre pour dégommer le cadenas dans la pièce à côté. Attends. Où est la fenêtre? Où est la fenêtre? Là. Ah non, mais je pars X. dans le mauvais sens, tout va bien. Là? Vas-y. Ah, mais oui, j'ai pas encore fait mauvaise touche. Pense à déverrouiller le cadenas que je puisse venir te sauver. Et là, la fenêtre, c'est là, voilà. T'as un cadenas, là. Faut tirer Faut sur le que tu tires cadenas, sur le le manche cadenas en rouge. face, au bout du Et moi, j'ai couloir. pas sur le manche rouge. Non, 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 tire sur le cadenas en face de la porte, là, pour que je puisse rentrer Ah, oui. et... Là, voilà. Voilà. J'ai raté, non? Ah, putain. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, Paul! La visite, il ouvre à 2 à l'heure! Et là, normalement, je dois pouvoir te libérer. Voilà. En plus, moi, j'appuie sur A, bien entendu, hein. C'est pratique. Bon. Je vais crever quand même. Mais non. Par où on passe? Par où je passe, même du tout? Vers la poêle, t'as. Y'a rien à récupérer, y'a rien d'autre là-dedans. Alors. Pause, tu es où? Je suis juste de l'autre côté de la porte qui est là. Oh, ah non non! Pourquoi moi? Je sais plus courir! Mais je vais sortir! Mais vite, tu veux partir de là, moi! Elle me laisse avec le monstre qui se barre! J'adore Sylvie! Ça aura pas duré longtemps pour retrouver les bonnes vieilles habitudes. Et quoi le je fais pour récupérer de la vie là? C'est toi qui bon, m'as mais je t'ai soigné? Soigné, oui. Ah, ah par contre, fais gaffe, il est là. C'est pas pareil. Tu vas ah, faire le des risques magiques. C'est Mais tu vois, je me souviens plus qu'il y avait un mec. J'étais. Alors attends, je vais passer. Ah non, et si tu me laisses avec le mec derrière, je meurs. Vas-y, relâche. Et comme ça, moi je vais t'ouvrir de l'autre côté. Paul, dépêche-toi, s'il arrive, je meurs là. Mais non, il passe pas la porte avec l'emblème. Attends, moi. C'est bon, voilà. T'es passé. Oui, oui, c'est Allez, moi, je te ferme. Voilà, comme ça, il peut pas Il s'agit de revenir te coller, je suis toujours là. Remets-toi. Oui, ça fonctionne bien. On est bien, on est parfait. Mais tu vois, dans mes souvenirs, il arrivait pas à ce moment-là. Il arrivait quand, après que quand tu jouais du piano. Il arrivait de la pièce, il me ah, semble. C'est parce que la j'ai pièce bien du réussi piano. À jouer du piano. Peut-être, je sais pas. T'as joué tellement bien que tu l'as fait fuir. Et ouais, mais je me rappelais pas. Putain, j'en ai pleuré et tout. Ah, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu gueuler. Donc je vous avais prévenu, hein, l'avertissement de l'épisode 1 tenait évidemment aussi pour l'épisode 2. T'as pas de voit comme dans le trou du cul d'une taupe. C'est juste. Ça veut juste rien dire. Ah là là. Merci, merci. Je suis à stress, c'est même truc, t'as pas idée. Salut. Tu vois, elle se met à transpirer, elle brille. Je
Je me rappelle plus de ça, tu vois. Bah moi non plus, tu vois, je me rappelais pas qu'il y avait un mec là. Moi j'étais persuadé qu'il était au piano, puis comme il était pas venu, j'ai dit bon, mais tant pis. Ça passe en premier. N'empêche, tu remarqueras quand même que j'ai eu un emblème. Tu remarqueras que c'est passe en premier, mais ne me laisse pas derrière quand même. Si tu me laisses derrière avec le monstre, hein, voilà. Mais passe en premier quand même. Allez, je descends parce que je suis ouf. Ça sent, ça doit sentir le pourri parce que. Oh, il y a un lit TSM là. Je sais pas ce que c'est. Les roseaux de massage. C'est. Bienvenue dans 50 nuances de grès. Voilà, les coulisses du film. Ah, c'est vrai qu'il est bien. Je dis qu'il était bien dégueulasse. Alors. Je m'en rappelle plus. Oh, ben, on est pas dans la merde. Bon, rappelle-toi. Hein. Là, franchement. Je peux pas t'aider, hein. Un cadavre, il est bien décomposé. Il est bien, oui, j'ai vu. Il est décomposé, t'as pas besoin de me le mettre deux fois. Tu peux pas le. Non, il se relève pas. Ah, c'est toi qui as fusil à pompe ? Non, c'est toi. Ah. C'était un munition. Moi, j'avais récupéré un magnum. Je vais le foutre à droite. J'ai l'écran, il a un peu de temps. Oh, il en bas, j'ai c'est parfait, il y a des ratus qui se baladent, tout va bien. J'aime pas ce. Ah, il y a du monde de là-haut, la Paul. Merde, j'ai ramassé les munitions de fusil à pompe. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, mais je vais venir près de toi et je vais te les donner, comme ça tu les auras. Et. Donne. Ah, attends. Quoi, il y a quelqu'un qui est passé là-haut ? Ouais. Bah, on est... ça tombe bien, on est en bas. Ouais, mais s'ils descendent. Ah, bah s'ils descendent, ils vont nous faire bonjour et puis voilà. Avec des si, on refait le monde. On refait le monde. Là, on peut. Voilà, il y a moyen d'esquiver avec ça. Donc, Paris sèche, qui était. Je ne me demande pas grand chose. Étoile. Enfin, parce que des étoiles. C'est vraiment rien. Oh. Oh là, Paul, papa, il est du mode Paul là. Il y a quelqu'un. Oui, tu vois pas là. C'est ça. Là, il y a des têtes là. Mais disons que je vois rien sur ma map, moi. Je vois rien dans le jeu, je me fie à la map. Et comme je vois pas d'ennemis dedans, je pars du principe que. Oh, il y a des crèmes. C'est mon KFC, quoi. J'ai vu des trucs marcher. C'était vrai. C'était peut-être Paul. C'était peut-être moi qui marchais. Non, c'est derrière toi. Alors, attention, parce qu'il y a des portes. Me semble-t-il. Je ne sais absolument plus. Si, t'as une porte là pour passer là. Un escalier. Il n'y avait pas. Mais là ou... Non, il n'y avait pas. Putain, il n'y avait pas un truc pour afficher. Ah non, c'est dans le 6 qui avait le petit GPS bien pratique pour afficher par là où il faut aller. Ah bah ça doit être l'escalier. Ah, tu veux que je passe devant, c'est ça? Mais bien sûr. Y a-t-il quelqu'un? Il est où? Apparemment, il n'y a personne. Ah non, pas lui encore! Vas-y, je descends. Ouais, je descends ici. Ah mais je m'en rappelle de ça Paul. Je m'en rappelle, il y a des mecs derrière moi qui vont arriver, je suis sûre. Oui, je l'ai joué. Hein. Oui, je l'ai fait 50 fois avec Paul. 50 fois, c'est trop pas. Ah, oh non, il est pas mort. Ah, c'est ça. Et t'es où Paul? T'es parti, c'est tout. Non, je suis pas sérieux. T'es où à gauche? Je vois pas Paul. Il me suit là. Je suis remonté tout en haut du jeu là. Ah, ah, il est là, Paul, je suis avec le sac. Je sais pas où tu es. Ah, ah, cours, connasse. Ah, je fais placard. Ah, 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 putain, merde. Paul, est-ce que je suis escalier? Je n'en peux plus, la Paul. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Martha. Non, tu l'as tué? Non. Tu l'as tué? J'essaye, mais. On y arrive. Bon, écoutez, casse-toi.
stop, j'ai un truc pour esquiver là. Ah, il est mort. Allez. Et toi, le minute, c'est formidable. Tu veux pas nous lâcher des balles? Ça nous aurait pu s'aider. Ça va. Ça va, le chat reste là, il a pas peur. Le chat est courageux. Ah, oui, il est tellement plus courageux que Sylvie. Le chat a l'habitude des cris. Mais ouais, mais tout à l'heure, en fait, je l'ai esquivé par la gauche là. Mais comme t'étais à côté de moi, derrière moi, je me suis dit, elle va me voir passer là. Et elle va me suivre. Ah, non, mais toi, t'as fui complètement de l'autre côté quoi. Oui, mais je suis reparti parce que je sais pas où aller. Alors, j'ai pas vu la porte, bien sûr, mais sur le côté. En plus, c'est qu'il va vite, hein, parce qu'il te regarde. T'es où, Paul? Attends. S'il te regarde, le mec, mais après, au final, tu vois. Tu te dis, il va mettre trop le m'arriver, mais non, mais surtout, non, le mec, il arrive un coup. Bon, il est quand même relativement là. Mais... ouais, mais attends, non. J'ai vu un petit peu. Un sauté, je croyais que c'était examiné, mais non, c'est sauté. Ah! Oh, je me rappelle ça, Paul, te rappelle? T'es mort? Je pense que oui. Ça, je me rappelle le truc qu'elle avait fait montage avec ça là. Elle avait tac 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 tac. Quelle tâche liste. Il faut descendre là ou... Je ne sais pas. Attends, ah lui il va se lever lui je le sens bien, il bouge encore. Je t'avais vu dans la lumière. Petit saigo, parce qu'il y a un tonneau. Alors, casse le tonneau. Casse. Oh, une étoile, il veut pas donner de balles, hein. C'est pas rigolo. Ah, mais là, on dort bien, ouais, là, on dort bien. Pas de début. Donc là, on est à l'escalier par lequel on est monté. Donc là, il y a moyen de sauter, d'accord, pour revenir. Ok, ça sent les trucs pour esquiver, en gros, ça. Et oh, voilà. T'es où là? Ah, je suis juste à côté de toi, n'est pas. Là, je croyais que t'étais redescendu là. Ah non, mais je suis seul, je peux pas jouer, moi, ça se passe. Oui, on s'en doute. Alors, attends, je vais juste changer, mettre ouais, la grenade qui fait du feu. Je vais me la mettre là. Comme ça, je pourrais l'attraper plus vite. Ah, des balles, t'as combien, toi? Ah, mais t'es aux pompes, toi, déjà. Prends. Parce que le magnum, il me reste deux pompes. Je ne sers à rien, Paul, au tir, donc c'est pas des petits. Quoi qu'attends, je vais quand même prendre l'autre, parce que... C'est des petites. C'est quoi ce tunnel? Ah! Ah! Non, pas encore! Putain, Paul! Ça va tourner! Quoi? Je remonte! Ah, il y en a un autre? Oui, il y a une cocotte là encore là! Ah, mais et à la même, moi j'y vais au coup de poing parce que je suis un fou! Je me casse, je me soulève! Si, voilà, t'as un spray de premier secours. Je vais remettre le life. Bon, après ce joli petit second moment de panique de la Bosas. Ah non, mais ouais. Si mais c'était bizarre, le tonneau était tout sur le fond là-bas. Du coup, je l'ai même pas cassé, je crois. T'es parti où?
Je suis redescendu là où le mec est apparu parce que j'ai essayé de. C'est bon, tu l'as pas eu? Voilà, il y a une là. Hop. Hein. Ailleurs. Il reste combien de temps? Il y a une étage? 25 minutes. Ah, donc 25 minutes, tu prends mon relais? Non, je joue pas, non. Je connais pas le jeu, moi je joue pas avec Marie. Je connais pas le jeu, moi je joue pas. On l'a pas vu parce qu'il n'y avait pas de monstre, mais. Marie tire. On va très bien, mais. Elle tire. J'ai vu un truc briller. Là, c'est par là qu'on est arrivé. Ah, il y a encore du bruit bizarre là. Il y a un mec qui arrive peut-être. Non, il y a du bruit bizarre. Non, mais ça me va bien si ça va toucher toi. Alors attends, il arrive par derrière nous ou... Oh, la reine de dire ça là, ça me. Donc, derrière nous, il n'y a rien. Donc il doit arriver en face. Arrête, je vois rien à la poche. Non, mais je peux pas y aller là. Ah, il est là. On va économiser les balles, on va retourner à l'endroit. Paul, je peux pas sortir. Mais si, tu peux sortir. Va prendre par là, prends à gauche et cours tout droit. Suis-moi. On va aller là-haut là. Là-haut là pour le prendre à revers. Mais il y a combien de mecs comme ça? Oh putain, c'est où ça? C'est ce là. Comme ça, quand il arrive pas, bon, il faut passer dans son dos. Quand il arrive, hop, c'est une grenade. Attends, j'en ai moi. Tu veux? Attends, je m'approche, vas-y, je me donne, là, c'est abandonné. Voilà. Merci. Alors, le gros monsieur est là. Ah, bah c'est bien, il passe directement derrière nous. Putain, merde. Le truc est là. Ouais, il est arrivé. Non, il revient. C'est grave, hein? Demain, tu bosses pas, je Non, mais putain, mais c'est. Mais pourquoi je crie, quoi? Je on ne comprends sait pas. On ne sait pas, mais c'est trop bon. Continue. Parce que je ne comprends pas. Non, moi, je trouve que elle est inimitable. Même en le faisant exprès, tu peux pas. C'est pas juste pas possible. Je trouve même les actrices dans les films d'horreur, elles n'arrivent pas volontairement à crier aussi fort que pour ça. Ça est trop tard dedans. Même une fois, j'ai tellement crié fort, mais quand même, je fais une migraine, hein. Je me suis décollé le cerveau, quoi. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on se marre? Donc du coup on n'avait pas exploré cette petite... On n'a pas eu le temps non. Alors, saut aider... Ah oui, il va falloir que j'explique du beaux assauts. Oh putain, coup, non mais quitter, ça va sonner là. Examiner. Oh. C'est verrouillé, il faut trouver la clé. On est resté 5. T'es où? J'ai pris l'escalier pour monter. T'as pris... L'escalier, l'escalier qui est à gauche, à droite là, voilà, face à toi là, il y en a... Non. Ah. On voit rien. Cet escalier. Bon, Paul, je ne vois rien. C'est dans un cul de sac. Ah, il est là. Ah, la clé doit être dans le coffre. Noir. C'est quoi le truc?
Ah. La délivrance de Sylvie. Ça sonne. Cadeau. Désolé, c'est un peu mid. Hein. Avant de poursuivre plus avant. Sylvie a bien crié, nous a bien fait régaler. J'espère que vous avez kiffé aussi ce deuxième épisode. J'espère que mon micro a tenu le coup, surtout parce que je ne l'avais jamais encore testé. C'est un peu le crash test d'un micro, de tester un micro en présence de Bozas, qui joue à Resident Evil. Pour tester, c'est le micro de Crash Pass. Ça va être, on croise les doigts pour qu'il tienne bon. Deuxième épisode de Resident Evil et le troisième très vite sur la chaîne. Au revoir, mademoiselle. Bonsoir. Ouais, donc, du coup, Claude sera en haut à gauche sur l'écran. Bozas là-bas. Bibit, tu seras en bas à gauche. T'enregistres? Oui, là, ça enregistre, mais ça, je l'ai coupé au montage. Ouais, bon, ça enregistre depuis qu'on chiotte. Exprime-toi. Tu as le droit. C'est vrai? Oui. La dernière fois, tu nous avais pas dit que tu voulais qu'on ait nos quatre têtes, mais que du coup, ça rentre dans l'ordre. Mais si, mais ce sera l'ordre là. Après, quand je vais superposer l'image de la caméra, alors Claudine sera en haut à gauche, Rosa sera en haut à droite, toi en bas à gauche et moi en bas à droite. À la caméra. Ah oui, parce que c'est inversé. Mais oui, mais ça m'énerve. On la passe bien à regarder en bas à gauche. Bonsoir. Salut les jeunes. Bonsoir. Ça fait une demi-heure qu'on répète pour dire bonsoir. Allez. En même temps. Donc c'est fait, voilà, salut, bonsoir les jeunes et les moins jeunes. Non, c'est parce qu'il y aura des gens de tout âge qui vont regarder, les vidéos. Oh putain, tu emmerdes. Oui. Allez, la première, ça pour le bêtisier. Mais non, mais ça me perturbe que ça soit mélangé là. C'était déjà pareil la dernière fois. Quand t'étais en joueur, casque, tu regardais en bas à droite. C'est vrai? Bah oui. Fais appel à ta mémoire de blonde. Non, je pense. Ça fait trop moins. C'est mon moment trop là. Personne n'a connu le poil. Personne. Tu fais des bouts bizarres avec tes potes. Non, mais c'est mes potes. Ouais, on dit ça. On dit ça, allez. Elle me fait dessus, mais c'est ma pote. Ah, oh, j'ai trop mal au cul. Eh ben. Tout le massage du cul. C'est bien. Vérifie qu'on est bien dans le cul. Où est-ce que tu... Où est-ce que j'ai mis ça? Dans ton cul. Attends, est-ce qu'on est cadré? Il m'en mange pas plus. Mais t'as un truc toi ce soir. Attends, on va faire son petit rot. Si tu parles en rotant, on va pas la faire celle-là.